Je m'appelle Marco Bonizzato. Je suis chercheur, donc professeur polytechnique à l'Université de Montréal et entrepreneur avec Neural Drive, une compagnie d'outils médicaux invasifs pour la récupération motrice après une paralysie. J'ai fait les parcours technopreneur au Centre d'entrepreneuriat de l'Université de Montréal. C'était le tout début de mon projet d'entrepreneuriat. Donc, c'était vraiment premier passage pour apprendre comment ça fonctionne dans le monde de l'entrepreneuriat. Moi, que j'ai toujours travaillé en recherche, j'avais 10 ans d'expérience en recherche, aucune idée at all de c'était quoi le développement entrepreneurial. Donc, c'était ma première entrée dans ce monde. J'ai rencontré ce qui est devenu ma première équipe des collègues dans le projet. Et j'ai commencé à comprendre des concepts fondamentaux de ce qu'on doit, comme la proposition de valeur, le développement d'un projet business d'entreprise et non seulement le côté recherche et développement. Finalement, c'était une belle expérience avec plein d'occasions de se faire rayonner le propre projet, du networking et d'obtenir du feedback de mentors, des jurys, de se mettre à la preuve. L'équipe est fondamentale, on ne peut rien faire toute seule. Une compagnie s'appelle une compagnie parce qu'on est entouré de personnes qui partagent notre plan et qui amènent quelque chose de complémentaire. Et le mentorat est aussi fondamental, mais il faut quand même choisir les mentorats qui nous font le mieux. On va avoir tout le temps des conseils très différents, des personnes qui vont nous aider et qui nous donnent des directions qui sont potentiellement très différentes. Il faut se concentrer sur les conseils de la personne dont on donne le plus de confiance. Et certaines personnes, quand c'est complémentaire, mais il ne faut pas se perdre en fait. C'est hyper important, mais c'est aussi important d'avoir choisi correctement ce qui à qui on fait notre confiance le plus possible. Mais l'équipe est fondamentale.